11h45. Oui, j'ai tous les numéros de téléphone qu'il faut dans mon sac. Tu devrais les mettre dans ta poche, chérie. Maman, je t'en prie. Claire, fais-moi plaisir. Maman, t'es dans la file des arrivées? Mais non, je suis pas trompée. Je suis dans la mauvaise file, tu as raison. Je t'interdis de le dire. De dire quoi? Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. Merci. C'est pas vrai, ça. Excusez-moi. Vous pouvez me laisser passer? Non. Excusez-moi, vous pourriez me laisser... Donne-lui ton billet, Claire. Je sais. Pas la peine que t'attendes. Je sais. Mais je sens que tu vas le faire quand même. Oui, oui, peut-être bien. Salut, maman. Au revoir. Bonjour. Ça ne doit pas être facile de laisser ses filles comme ça. Bonjour, je recherche mon fils. Il a 8 ans. C'est un petit garçon, de toute évidence. Il est à peu près de cette taille-là. Je vais le récupérer ici à 11h45. Monsieur, je suis en retard. Écoutez-moi, oui. L'avion a été retardé. Reprenez votre respiration. Les passagers viennent tout juste de descendre de l'avion. Ah, d'accord. Attendez, il y a une chose que je voudrais arranger. Merci. Alors, dis-moi, lequel est ton père ? Celui-là. Très bien, je vais reprendre ça d'abord. Salut, toi. Bonjour. Heureux de te voir, mon fils. Pourquoi tu transpires? T'es nerveux? Nerveux, non. J'ai couru pour être vraiment sûr de ne pas être en retard, c'est tout. Tu étais en retard? Non. Enfin, oui, un petit peu. Maman m'avait prévenu. Elle a dit que je serais en retard. Tu as grandi, Ben. J'ai failli oublier. J'ai un cadeau pour toi. C'est un ballon spécial victoire pour jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Je te remercie, mais le sport, j'aime pas ça. Comment ça, tu n'aimes pas le sport, tous les deux? J'aime pas le sport, c'est tout. Bon. Ça... c'est pas très grave. Je te trouverai un autre cadeau plus tard, d'accord? D'accord. Ça t'intéresserait de voir l'endroit où ton père travaille? Non, pas vraiment. Écoute, ça fait longtemps. 3 mois exactement. Ben, je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais souviens-toi, on a déjà parlé de tout ça. Du petit ami de maman, Max? Oui, son petit ami Max. Elle n'a pas respecté les règles, c'est ça? Eh bien, tu sais, c'est... Mais toi non plus, t'es parti, tu nous as quittés. Tu as raison. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir, du moins je n'aurais pas dû te laisser. Je n'ai pas
Écoute, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en suis conscient. Mais je pensais que peut-être toi et moi, on pourrait tout recommencer à zéro. D'abord, il faut qu'on aille récupérer tes bagages. Bon, d'accord. Allons-y. Ben, tu sais quoi ? Quoi ? En fait, je suis un peu nerveux. 6 mois plus tard, vacances d'été. À Noël, tu avais un seul sac, à Pâques, on a ajouté le sac à dos. Là, on est en été et je ne comprends pas que des maillots de bain et des shorts tiennent autant de place. Je vais rester 2 mois là-bas, maman. Oui, c'est vrai. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Bien. Bien, bien ou bien, bien, j'ai pas envie d'en parler ? Bien, bien. Mais le problème, c'est que quand je suis avec papa, tu me manques. Et quand je suis avec toi, c'est lui qui me manque. Oui, tu nous manques à nous aussi. Et tu vas passer de bonnes vacances. Tu fais des choses amusantes, non, avec ton père ? Oui, le dimanche, j'aime bien aller au muséum d'histoire naturelle. Ah oui ? Donc ton père et toi, vous passez des week-ends très intéressants. C'est fantastique, ma chérie. Quelquefois aussi, je reste avec Loupé. Quand papa rentre à la maison, il me pose des tas de questions et je dois lui raconter tout ce qu'on a fait. Bon, tout a l'air de très bien se passer. Attention à la tête. Allez, on y va. Le vol 362 ? Retardé. Oh ouais ! Merci. Vous l'avez déposé ? Je vous demande pardon. Le regard, on dit toujours que ça se voit au regard. Qu'est-ce qui se voit ? Il y a deux sortes de... Il y a deux sortes de regards. Le regard des parents qui récupèrent leur petit et celui des parents qui déposent leur petit. Vous avez le regard de quelqu'un qui a déposé son enfant. Oui, il vient juste de partir. Vous allez rester ici longtemps ? Jusqu'à ce qu'elle revienne. La première fois que j'ai déposé mon fils qui retournait chez sa maman, je suis resté planté là et j'ai attendu que son avion décolle et qu'il disparaisse de ma vue. C'était fou. Je n'arrivais pas à m'en aller. J'avais l'impression qu'en restant, j'empêchais tout accident de se produire. J'assurais la sécurité de l'avion. Rien qu'en le regardant. Où doit se rendre votre fils ? Ah non, je... Non, je l'attends. Ah, vous venez le récupérer ? C'est ça. Je viens récupérer mon fils. Le vol 293 provenant de Los Angeles vient d'arriver. Ça y est, le voilà. Ça fait 6 mois. Est-ce que... Après 6 mois, difficile ? J'espérais que vous me donneriez la réponse. Vous avez de la chance, vous le récupérez. C'est vrai, mais dans 2 mois exactement, je devrais le déposer comme vous aujourd'hui. Hey. Bon, j'y vais. Salut. C'est pas interdit de m'aider. Mais je t'aide moralement. Je suis là pour t'encourager. Ta fille rentre quand ? T'es pas marrante sans elle. Merci, Fringine. Pas tout de suite, hélas. Richard t'a téléphoné ? S'il te plaît, arrête. Un jour, tu te réveilleras et la vérité te sautera aux yeux. Tu n'es pas responsable de tout. Il faut être deux pour qu'un mariage fasse naufrage. Et un seul pour quitter le navire. Il a dû mettre des jours avant de se rendre compte que t'étais partie. Je suis désolée, mais l'idée de régler vos problèmes avec un conseiller par téléphone, c'est de lui. Rappelle-moi de ne plus jamais te raconter quoi que ce soit.
Comment vont mes filles? J'ai très faim et votre père aussi. Un peu de patience, maman, tout sera prêt dans un petit instant. C'est moins long quand c'est moi qui cuisine. Georgia, toi tu commandes des pizzas. C'est ce que t'aurais dû faire. Ben, tu te souviens de mon ami Charlie? Salut Ben, je suis ravi que tu sois venu nous rendre visite. Tu l'as soudoyé? Une glace avec chantilly, c'est un crime? Il t'en veut toujours un peu. C'est compréhensible. Il faut qu'il en veuille à quelqu'un, alors autant que ce soit à moi. Effectivement. Oh, hé, n'oublie pas qu'on a une soirée entre hommes la semaine prochaine. Alors intercède auprès des dieux pour avoir du beau temps. Je verrai ce que je peux faire. Entendu. À tout de suite. Pourquoi le monsieur est assis à ta place? Oh, eh bien, quand je suis venu habiter dans cette ville, il y a eu quelques changements dans ma vie et mon travail. Et l'un d'eux consistait à accepter de redescendre. Et quand est-ce que tu vas remonter? Dès que je pourrai, je le ferai. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas assis là, mais je fais autre chose de très intéressant. Je suis météorologiste. Tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais c'est ce que je faisais au début. Et ça, ça veut dire quoi, météorologiste. Tu fais quoi? Eh bien, en fait... Tu étudies l'espace, les étoiles? Non, pas exactement. T'as déjà vu un extraterrestre? Quoi? Non, je n'ai pas encore... Non. Will, ça va être à toi dans 15 secondes. D'accord. Tiens, viens, tu vas te mettre là. Tu me verras en regardant le moniteur. C'est bon, ça ira? Oui. Will, pourquoi t'es maquillée comme une fille? On est toujours maquillée quand on passe à la télé. Tu as dit... Will? Attention, bientôt à vous. 5, 4, 3... Dans un instant, nous parlerons de sport, mais pour l'instant, les prévisions météo avec Will Chanet. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais adresser un salut particulier à mon fils, Ben. La température à Denver atteint les 23 degrés Celsius ou 74 degrés Fahrenheit. Elle devrait être légèrement plus fraîche demain matin. Le vent d'ouest souffle actuellement à 40 km/h. La pression devrait demeurer relativement stable durant les prochains jours. Nous allons maintenant regarder ce qui va se passer demain dans l'ensemble du Colorado. Soleil et température partout, quelques nuages cependant, mais aucune. Alors, si j'étais la passoire de ma mère, dans quel coin de la maison je me serais cachée? C'est le gars qui annonce le temps qu'il fait, c'est tout. Ben, je suis météorologiste et je vous... Comme le gros type chauve que maman regarde à la télé tous les matins, celui qui embrasse toutes les petites vieilles. Je sais que ça paraît facile, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Ça a l'air plutôt simple, n'importe qui pourrait le faire. Dans ce cas, tu vas prendre ma place demain matin, c'est toi qui annonceras la météo. Tu parles sérieusement? Bien sûr, tu viens de me dire à l'instant que n'importe qui pourrait le faire. Mais... C'est pas compliqué. Quand Charlie te dira 3, 2, 1, partez, tu y vas, tu dis la météo. Mais attends un peu. Tu peux peut-être, c'est impossible. Pourquoi faire tant d'histoires pour une séparation, un procès et tout ça, si la séparation devient nécessaire? Georgia, j'ai fait une promesse. J'ai dit que ce mariage, c'était pour la vie. Je suis sûrement égoïste. Parce que tu veux ta part de bonheur. Si j'étais restée avec Richard, Claire n'aurait pas à prendre l'avion tous les deux mois. T'aimes encore ce type-là? Quand est-ce que ça devient plus facile? C'est toi, l'aîné. J'espérais que tu me donnerais la réponse. Oh, un gars m'a fait la même remarque. À l'aéroport, quand j'ai déposé Claire, on discutait de nos enfants. Quel est le nom de ce jeune homme? Je n'en sais rien. T'as rien retenu de mes leçons? Je crois qu'il est divorcé, qu'il a un fils qui doit avoir l'âge de Claire, qu'il aime la pluie, les boissons gazeuses et qu'il mâche du côté gauche. J'allais quand même pas lui demander de me raconter sa vie. Mais... Fin des vacances d'été, retour à l'école. Bon, je t'ai acheté une revue que tu pourras lire dans l'avion. Quelques tuyaux pour donner à votre femme. Ça, c'est pour moi. Allez, tourne-toi, je vais trouver une place dans ton sac. Je croyais que t'en voulais pas. Je sais pas comment il est arrivé là. Je vais le remettre. Tu pourras toujours t'en débarrasser quand tu seras arrivé chez maman. Oui. C'est bon. Tiens. Merci. Ouvre la bouche. Merci. Salut. Salut.
Ah, ça m'agace. Trésor adoré. Le vol s'est bien passé? Très bien, je suis entière et en pleine oui, forme. C'est ce que je constate. Papa a dit que tu serais morte d'inquiétude. Combien de fois t'as appelé la compagnie pour savoir si l'avion n'avait pas d'ennui? Une seule fois. Par heure, c'est tout. Ah, j'ai failli oublier. Papa m'a donné quelque chose pour toi. Je crois que c'est un joli cadeau. Ah, il n'aurait pas dû faire ça. Il a pensé que c'est ce que tu dirais. Maman? Quoi? Ouvre-le. Ah, oh, oui. Elles sont très jolies, tu trouves pas? Si, elles sont très jolies. On y va? Il m'a offert les mêmes l'année dernière. Chez Joey à 8h pile. Tâche d'y être, sinon je te fais la tête au carré la prochaine fois que je te vois, c'est compris? Bonjour Will, c'est Alice du secrétariat. La chaîne cherche quelqu'un pour présenter le journal le week-end. Donne-moi vite une vidéo et croise les doigts. Vous êtes trois sur la liste. Tu voulais faire plus d'exercices. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Mais toi, en tant qu'ami, tu es censé ignorer ce genre de remarques. Ah, fais comme moi. Trouve une source d'inspiration. Tu choisis un mec avec de belles fesses et tu mettais pas dans les siens. C'était comment hier soir? Hier soir? Jane avait un rencard. Tu me racontes jamais rien, c'était avec qui? Un type qui a été marié avec une ancienne copine de lycée de Jane. Je vois, ça s'est pas bien passé. Tu sais, si j'avais voulu un gars qui ne s'intéresse absolument pas à moi, qui ne me pose jamais la moindre question sur ma vie, je serais restée avec Richard. Ma cousine a rencontré quelqu'un grâce à Internet. Moi aussi, j'ai essayé avec le net. L'ennui, c'est que la plupart des gens sont des menteurs. J'avais rendez-vous dans un café avec un bonhomme qui était professeur d'anthropologie dans une faculté. Mm-hmm. C'était précisé qu'il avait des cheveux gris, qu'il faisait 1m80. Je suis allée au rendez-vous. Il avait un appareil auditif et il faisait 1m60. Alors, les rencontres par ordinateur, pour moi, c'est bien fini. Tu sais, c'est pas pire que de consulter les bancs de mariage pour voir lequel de tes ex est officiellement et définitivement hors circuit. On sent qu'il y a du vécu. C'est triste d'en être réduit à ça. Au moins, tu as ouvert une boutique qui double tes chances de rencontrer des hommes qui sont très vieux ou très mariés ou alors très homosexuels. Ou simplement des hommes qui ont du goût. Oui, il n'y a rien de mal à apprécier les choses anciennes. Quand on ne peut pas se débarrasser de ses propres vieilleries, on se met à vendre celles des autres. Ça doit pas être si difficile que ça. Dans cette ville, il y a des centaines d'hommes qui passent à côté de nous tous les jours. Oui. Peut-être que celui qui m'était destiné est passé à côté de moi sans me voir. Dis-moi, Will. Est-ce que c'est ça la fameuse vague de chaleur que tu nous prédisais? Une prévision, c'est qu'une prévision. Là, en l'occurrence, c'est un énorme mensonge. Regarde un peu ça. Oh, c'est très délicat de ta part, Charlie. Dis donc, t'étais obligé de prendre du café avec le poisson parce que c'est... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on serait mieux à l'intérieur. Avec la grand-mère de Joey? Sans vouloir te vexer, mon vieux, on dirait qu'elle se parfume à la litière de chat. Ah là, tu marques un point, Will. Allez, il est temps de jouer aux cartes. Ouais. Attendez un peu, le match est bientôt fini. Laissez-moi regarder. C'est une retransmission, Ted. Ce match a été joué il y a 20 ans. Allez, les gars, vos cartes. Y a pas de mal à apprécier ce qui est ancien. Ou un petit blackjack des familles. Ça vous branche, les gars? Je me sens très en veine. Ça ce y est, soir. Je suis là, prêt à jouer. Vas-y, Charlie, c'est parti. Alors, quelqu'un s'est-il envoyé en l'air cette semaine? Bam, tika, bam, bam. Je voulais dire, avec une autre nana que la femme de Ted.
tic-cabam, tic-cabam. T'as vu ça, Pignouf. Et toi, Will, t'as fait quelque chose? Non, rien du tout. J'ai l'impression d'être coincé dans une espèce de purgatoire. Les femmes que je rencontre ont soit 18 ans, soit 50. Soit elles ont besoin d'aide pour leurs devoirs, soit d'aide à domicile. Bon, très bien. Tout le monde est servi. Qui veut une autre carte? Moi, tire-moi une, mon pote. Bam! Ouh, 19, très joli, mon gros nounours. 20 pour toi, Joey. Tout va bien. Je reste. T'es sûr? Ça te fait 16. Tu devrais en prendre une. Allez, Will. Non, je reste. Je veux pas gagner tout de suite. 18. Ouh, tout le monde gagne sauf Will. Alors, t'as perdu combien? 80. Ça aurait pu être pire si je n'avais pas refusé à Joey un strip poker. Finalement, je suis plutôt satisfait de ma soirée. Je sais qu'on n'arrête pas de te chambrer avec ces histoires de filles et de rancards, mais ça fait un an que Cindy et toi, vous vous êtes séparés. Et pendant tout ce temps, tu es sorti avec seulement deux femmes. Ou plutôt, avec une femme parce que l'autre ne compte pas. Elle a compté pour moi. Oui, pendant environ 30 secondes. J'étais très nerveux et j'avais froid. Je t'en avais parlé, Charlie. Ouais. Je voudrais rencontrer quelqu'un qui n'ait pas d'arrière-pensée. Pas de stratégie. Mission impossible, vieux. On est des adultes. Ça n'arrive plus, ce genre de choses. Mais si, bien sûr que si. La dernière fois que j'étais à l'aéroport pour récupérer Ben, il y avait une femme là. Elle venait tout juste de déposer sa fille et on a discuté très naturellement quelques minutes. Attends, je oui. Je me suis senti... Quoi? Tu vois ce que t'es en train de faire? Quoi? Tu perds ton temps à penser à une femme que tu n'as pratiquement aucune chance de revoir de ta vie. Je sais à quel point Cindy t'a fait souffrir. Réellement? Oui. T'as squatté mon canapé pendant 3 semaines. C'est moi qui devais te sortir du lit tous les matins. Et c'est moi qui faisais le numéro chaque fois que tu téléphonais à ton fils parce que tu craignais de tomber sur le petit ami de ta femme. Écoute, tu as rétabli le contact avec Ben. Mais avec Cindy, c'est vraiment terminé. C'est le choix que tu as fait. C'est elle qui a fait ce choix. Elle a choisi d'être infidèle. Maintenant, tu dois passer à autre chose. C'est ce que je fais, mon vieux. Ah oui, tu trouves? Tu vois une fille par hasard, une fois, à l'aéroport? Oui, ça veut rien dire. Il y a plein de femmes bien réelles dans cette ville. Et sûrement une avec laquelle tu pourras envisager quelque chose. Oui, faire des rencontres, c'est pas comme une partie de blackjack. Si tu veux vraiment gagner, il faut toujours demander une autre carte. Six mois plus tard, vacances de Noël. Les passagers du vol VWA-203 à destination de New York sont priés de se rendre aux portes G2. Embarquement immédiat. Bonjour, le vol 362. Qui vient de Los Angeles? Ouais. Retardé. Ah vraiment? Vous avez le temps. Le décollage n'a pas pu se faire à l'heure prévue. Il doit arriver dans une heure. Oh, dans une heure? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ce temps-là devant moi? Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Phil Chipperup est attendu porte 52B. Monsieur Phil Chipperup est attendu porte 52B. Salut. Salut. On s'est vu... ici, l'été dernier. Et vous, vous êtes là... pour le récupérer. C'est ça. Oui. Et vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Bon, je n'ai pas un plan. Je pourrais le faire, mais ça ne serait pas très amusant. Où est passé votre fils, c'est ça? Oui, il est en retard et pour une fois, je ne le suis pas. J'ai une heure à attendre. Ah. Vous devez vous rendre quelque part dans l'immédiat parce que j'avais envie d'aller boire un très mauvais café. En fait, il faudrait que j'aille en ville. J'ai des trucs à faire. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai envie de boire un très mauvais café. C'est pas vrai, il vous a pas dit ça? Je vous jure qu'il me l'a dit. Et c'est précisément pour ça qu'il faut pas allaiter dans une crèmerie. Je tâcherai de pas l'oublier. À vous, maintenant. L'anecdote la plus embarrassante concernant les gamins? C'est à propos d'un bocal de cornichons. Ouh, racontez! Non, je crois qu'il faudrait mieux pas. Ah, oh, mais si. Non, allez. Sérieusement, dans cette histoire, il est question d'urine et de nourriture. Oh. S'il y a deux choses qui ne vont pas du tout ensemble, ce sont bien ces deux-là. Oh. Merci. Pour tout ça. Parmi mes amis, personne n'a d'enfant, alors ça me fait du bien de voir que je ne suis pas complètement taré. J'ai parfois l'impression que les seuls moments où je parle à des adultes, c'est lorsque Claire est à Chicago avec son père.
Mais il m'arrive d'être sur pilotage automatique ces jours-là. La dernière fois, je me suis retrouvée en train de garer ma voiture devant son école de danse simplement parce que c'était mercredi. Moi, je n'ai mon fils que pour les vacances. C'est tout à fait autre chose. C'est quand on commence tout juste à s'habituer l'un à l'autre, lui doit reprendre l'avion et les deux ou trois derniers jours avant qu'il s'en aille sont vraiment... Les pires. Oui. Au lieu d'admettre tout simplement qu'on est triste de se quitter, on devient toutes les deux très... Grincheuses. Oui. Je voulais pas vous poser cette question, mais est-ce qu'on se connaissait avant? Parce que votre visage me semble vraiment familier. Oh, Seigneur, j'aurais pas dû vous dire ça. J'aurais préféré qu'on n'ait pas abordé le sujet. Pourquoi? Oh, on s'est déjà rencontrés? C'est un petit peu embarrassant. Je m'en serais souvenu quand même. En fait, je suis météorologiste sur Channel 16 News. Ah, vous êtes présentateur météo? Météorologiste, j'aurais mieux fait de mentir. Mais non, voyons. Je crois que j'ai vu votre visage sur un bus. En fait, quand on présente les choses comme ça, ça fait tout de suite plus classe. C'est un boulot comme un autre. Disons que je m'efforce de remonter la chaîne alimentaire et que pour l'instant, j'en suis au stade du plancton. On m'a suggéré de poser ma candidature pour présenter les informations le week-end. Qui sait, ça pourrait marcher. Ce serait génial. Vous comptez faire quoi pour le nouvel an? Allez-y, vous la première. Vous avez de la chance. Vous allez passer les fêtes avec votre fils. Vous allez l'emmener voir le feu d'artifice? On va faire une tentative, mais on y est allé l'année dernière. Il était sur mes épaules, ça allait commencer, j'ai levé les yeux. Oui. Il s'était endormi. Oh. Et vous? C'est le mien. Est-ce que vous avez une minute? Hey! Salut toi, ça va? T'as attendu, on dirait? Oui, monsieur. Ça veut dire donc que t'étais en avance? Même si ça te semble incroyable. Très bien. Ben? Voici... Jane, voici mon fils Ben. Salut Ben. Salut. Jane était là pour déposer sa fille. Elle m'a tenu compagnie en attendant que tu arrives. Donc il était pas en retard? Est-ce que tu cherches à me créer des problèmes? Non, cette fois c'est vrai, il n'était pas en retard. Ce qu'on a tous regretté parce que le voir piquer un sprint, c'est quelque chose. Bon, je m'en vais, je vais vous laisser à vos retrouvailles. D'accord. On se... Je vous reverrai peut-être ici dans 2 semaines. Oui. En fait, je prends l'avion ici la semaine prochaine. Les fêtes de fin d'année sans Claire sont difficiles, alors je m'offre une vente aux enchères spéciale antiquité. Le rêve, quoi? Oh non, c'est pas pour le plaisir. J'ai un magasin d'antiquité, c'est purement professionnel. Mon vol est à 6 heures, ce qui veut dire que je vais passer le réveillon du nouvel an dans la merveilleuse ville hivernale qui est Phoenix, en Arizona. Ravie de t'avoir rencontré, Ben. Et... Incroyable, je ne sais même pas votre prénom. C'est Will. Merci, Ben. Alors, bonne année, Will. Bonne année, Jane. On y va? J'espère que tu as ton permis de conduire, parce que c'est toi qui prends le volant. Tu parles sérieusement? Oui. Bon, on va faire plein de choses cette semaine. Ce soir, on va aller faire du roller dans le parc. À moins que ça ne te dise rien d'aller en faire, auquel cas on peut rester tranquillement à la maison et regarder un bon film. On peut aussi aller au cinéma si t'as pas envie de rester à la maison. Will? Ouais? Est-ce que c'est ta copine? Jane? Non. Ben non, elle est... Monte dans la voiture. Installe-toi. Tu te souviens quand tu t'es fait une entorse et que tu es resté sur la touche pendant quelques matchs? Oui, ça craignait. Ouais. Eh bien, c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai été blessé et je vais rester sur la touche durant quelques matchs. Tu comprends? Oui. Mais je suis rétabli. Ça m'arrivera aussi. Attaché? Moi, je la trouve très jolie. Mmh.
C'est Jane. Jane, tu vas bien? Moi? Oui, oui, je vais bien. Je vais très bien. Est-ce que Claire est encore réveillée? J'aurais simplement voulu lui souhaiter un joyeux Noël avec quelques petites heures d'avance. Oh, mais si elle dort, ne la réveille pas, ça fait rien, je la rappellerai demain. Non, non, elle est allée se brosser les dents. Je sais que ça lui fera plaisir d'entendre ta voix. Moi aussi, ça me fait plaisir de l'entendre à nouveau. Bon, je vais la chercher. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, rien, tout va très bien, ma chérie. T'appelles jamais aussi tard? Tu veux savoir pourquoi je le fais? Je te téléphone parce que je crois que j'aurai du mal à trouver le sommeil si je n'entends pas ta jolie voix. J'espère que je t'ai pas réveillée. Non. Est-ce que tu t'amuses pendant ces vacances? Oui. Ce soir, on est allé au restaurant. On était juste tous les deux. Et devine ce qu'il m'a laissé prendre en dessert. Deux glaces avec de la chantilly et du chocolat chaud. Papa est en train de te pourrir, il te gâte trop. Et l'heure de te coucher est dépassée depuis bien longtemps. Oui, peut-être bien. Tu me manques, ma puce. J'espère que tu vas bien dormir maintenant. J'en suis certaine. Souhaite-lui un joyeux Noël pour moi. Oh, papa te souhaite un joyeux Noël. Dis-lui que moi aussi, tu fais bien. Maman, j'aimerais que tu sois là avec nous. Joyeux Noël, mon trésor. Joyeux Noël, maman. Jen! Will? Mais où est passé Ben? Il est déjà reparti à Los Angeles? Non. Est-ce que tout va bien? Ben, elle était à un anniversaire. Il s'en va seulement demain. Une petite gorgée? Non, non, merci. Bon, je me suis entraîné. J'ai du mal à gérer les reflux, alors on va faire en sorte que ce soit le plus rapide et le moins douloureux possible. Je vais vous inviter à aller au restaurant. Vous allez me répondre non, d'une manière très polie et avec une bonne excuse. Ensuite, j'irai m'enfermer dans ma voiture et je me taperai la tête contre le volant une bonne dizaine de fois. Où ça? Je suis dans le parking C. J'ai tourné pendant 10 minutes, c'est bondé ici. Non, dans quel resto voulez-vous aller? C'est où? Carte d'embarquement. J'ai pas encore choisi. Est-ce que l'un de vous deux embarque avec nous? Désolée. Vous aimez quoi? J'aime tout. Non, la cuisine indienne, non, j'aime pas. Allez dans un resto chinois. Chez Chop Chan, dans la rue Cliffwood. D'accord. Génial. Et quand? Aujourd'hui, demain, mardi. Vous rentrez quand? Vendredi, on peut dire vendredi soir. À 19h. D'accord. On emmène les enfants? Non, Claire ne sera pas rentrée. Ah oui, et Ben sera déjà reparti. Juste nous deux alors. Oui, juste nous deux alors. Madame? Ça a marché. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Ça va? Oui. Et tu fais vite. C'est bon? Oui, on peut y aller maintenant. C'est parti. Bonsoir. Jane Peterman. Merci. C'est gentil, merci. Bon, ben, on y va. Vous avez acheté, vous vous en souvenez, en acajou blond, en Europe notamment dans le monde. Beaucoup.
y a énormément de monde ici à Times Square, et dans 30 secondes exactement, la grosse boule va tomber. Ici à New York, tout le monde retient son souffle. Il sera minuit dans quelques secondes, comme vous pouvez le voir sur le cadran qui s'affiche sur la droite de votre écran. Une année se termine, une autre commence. Il nous reste 15 secondes. Rapprochez-vous de vos amis, de vos enfants. Dans 10 secondes, c'est la nouvelle année. Attention, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année à tous! Bonne année, heureuse année. Bonne année à tous! Ah, tu es rentrée? Oui, je serais bien passée par l'autre porte, mais je craignais de faire un peu trop de dégâts. Est-ce que c'est un joug? Oui, oui, c'en est un. Je suis sûre que tu te dis, quelle est l'utilité d'un joug dans une ville? Les bœufs, ils sont rares. Et tu as raison, Jane. Mais je l'ai trouvé au marché aux puces, je croyais pas mes yeux. C'est une dame adorable qui le vendait. Elle a vécu dans la même ville toute sa vie et un jour, elle a décidé de partir vivre à Las Vegas parce que c'était son rêve. On a cherché à le joindre. C'était Richard. Oh, Richard. Waouh, ça doit être très important pour lui s'il a délaissé son travail un instant. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, c'est clair? Il a dit de ne pas t'inquiéter, mais je t'ai pris une place sur le vol de 17h15. D'accord. À papa que tu serais pas en colère. Mais j'ai vu que tu l'étais quand t'es arrivé vers nous. T'avais ton air des mauvais jours. Je vais discuter avec ton père de tout ça. Ce sont des choses d'adultes. Tu n'as pas à t'en soucier, ma chérie. Tu as le temps. Surtout, ne te presse pas, d'accord? Par contre, si tu as des questions, n'hésite pas. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, trésor. Tu réalises que Claire se sent responsable de ce qui s'est passé? Jane. Ce n'est qu'une enfant, Richard. Tu es son père. Par conséquent, ton rôle, c'est de la protéger. Laisse-moi t'expliquer.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu refuses de discuter au téléphone. Tu as toujours une excuse. Soit Claire est en retard pour la danse, soit tu as des courses. Ce n'est pas toujours facile d'élever un enfant. Tu devrais essayer pour voir. Je voulais pas dire ça. Si. C'est bien ce que tu voulais dire. J'aimerais qu'on l'élève ensemble. Ça, tu vois. Ça, c'est ce que tu fais à tous les coups, Richard. Tu trouves les bonnes paroles après avoir fait une mauvaise action. Ce que tu as fait aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que tu aies pu avoir une idée aussi idiote. Je t'aime, Jane. Ce que tu aimes, c'est une certaine idée de moi. L'idée que tu te fais est magnifique, mais la réalité est très différente. Elle est moins séduisante. Écoute, je sais qu'on s'est battu. La négociation n'a jamais abouti. Je suis un être humain, je ne suis pas une transaction, Richard. Je sais. Reviens-moi, Jane. Reviens à la maison. J'ai déjà une maison, j'ai aussi une vie à Denver. J'ai des amis auxquels je tiens, j'ai une boutique, ma propre boutique. Ici, ce n'est pas chez moi, et si tu avais compris ça, tu ne nous aurais pas obligés à une époque à venir ici. Je vais te poser une question. Si je n'avais pas accepté leur offre, si je ne vous avais pas forcé à venir à Chicago, est-ce que toi et moi, on sera encore ensemble? J'en sais rien. On ne va pas revenir en arrière. Tu l'as fait sans t'occuper du reste. Malgré tes bonnes intentions, il y a un fossé entre nous. Tu ne seras pas celui dont j'ai besoin. J'aimerais essayer. Il est temps que toi et moi, on arrête d'essayer d'être ce qu'on n'est pas vraiment. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que tu ne veux pas. Bon, d'accord, on n'est parfait ni l'un ni l'autre. Mais tu crois que c'est bien d'être parent à temps partiel et de faire faire tous ces trajets à Claire? La vie de Claire est à Denver. Je l'ai arrachée à ses amis une fois pour toi. Je ne veux plus nous infliger ça, ni à moi, ni à elle. Je suis désolée. Tu n'as rien avalé depuis ta descente d'avion. Il reste un peu de cuisine chinoise dans le réfrigérateur. Cuisine chinoise? Quoi? Non, rien. Je n'ai pas faim, je te remercie. Allô? Oui, je voudrais le numéro d'un restaurant à Denver. Chef Chan. Ça ne fait rien, merci. Trois mois plus tard, vacances de printemps. Fiona Tibet est attendue porte F19. Madame Fiona Tibet, porte F19. Vous l'avez déposé? Will, je suis vraiment désolée pour le restaurant. J'ai pas réussi à vous appeler à temps. Je vais vous expliquer. J'ai eu un appel du père Maman, de Claire, Richard. J'ai mes chewing-gums. Voilà la monnaie. Oh, merci, chérie. Salut. Bonjour. Je pense que tu dois être Claire, c'est ça? Oui. Oh, Claire, c'est Will. Enchantée de vous connaître. Moi aussi. Maman? Oui, je sais, chérie. Et il faut que Claire aille prendre son avion. Si vous pouviez m'attendre quelques minutes ici. Oui. Allons-y. Est-ce que vous pourriez garder un œil sur ma maman? Elle a beaucoup de mal avec les au revoir. Oui, ce sera avec plaisir. Et voilà, bon voyage. Je t'aime, chérie. Amuse-toi bien. Elle vous ressemble. Vous trouvez? Merci. J'espérais vraiment, vraiment vous retrouver aujourd'hui. C'est plutôt drôle de vous entendre dire ça. Oui, je me sens affreusement gênée de ne pas avoir pu venir ce soir-là. C'est pas très grave, ce sont des choses qui arrivent. Non, pas à moi. Je vous aurais bien appelé, mais on n'a jamais échangé nos numéros de téléphone.
Et quand je suis rentrée de Chicago, j'ai laissé un message à votre travail. Personne ne m'a transmis de message, mais ça fait rien, c'est pas grave. Si je n'avais pas été obligée d'aller rejoindre Claire, ça ne fait rien. J'aimerais beaucoup que vous me donniez l'occasion de me rattraper. Je vous promets que cette fois, je vous ferai une meilleure impression. Will ? Merci. Désolé. Mali, je te présente Jane. Jane, voici Mali. Bonjour, Jane. Ravie de vous connaître. Moi aussi. Le vol 362 en provenance de Los Angeles vient d'arriver. Retrouvez les passagers. Ben ! Hey ! Comment tu vas ? Très bien. Jane ! Tiens. Ben, tu te souviens, je t'ai parlé de Maddy. Salut Maddy. Jane, on vous a plus vu depuis une éternité. C'est parce qu'elle est très occupée, tu comprends? Vous lui teniez compagnie comme avant. Bon, oh là là. C'est l'heure de dîner, on va y aller. Maddy, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir, mon bonhomme? Des spaghettis avec des boulettes de viande. Bruno, ça te va? Ravi d'avoir fait votre connaissance. Oui. Un de ces jours? Oui, au même endroit. Un de ces jours, Ben. Bon, alors, tu es prêt à affronter le tapis roulant des bagages? Seulement si je peux monter dessus et faire le tour. Moi, j'ai jamais le droit de faire ça. Moi, je peux parce que je suis un professionnel. Alors, qu'est-ce que tu en dis? De quoi tu parles? De Maddy. Qu'est-ce que tu penses d'elle? J'en sais rien, elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille? On ne peut pas dire que tu sois d'un enthousiasme débordant. Je trouve qu'elle n'est pas aussi belle que maman. Peu de femmes sont aussi belles que ta maman. Tu fais quoi de Jane? Comment ça, j'en fais quoi? Je suis sûre qu'elle t'aime bien. On ne parle pas de Jane pour l'instant. Sûr et certain? Ben? Si tu dois apprendre une seule chose de ton père, c'est la suivante. Pour ta propre santé mentale, évite les femmes tant que tes hormones te le permettent. C'est clair, fiston? Oui, j'essaierai. D'accord. À propos de Maddy, est-ce que je peux connaître le verdict, monsieur le juge? Si toi tu l'aimes bien. Ça ne suffit pas que je sois le seul à qui elle plaise. On fait équipe, nous deux, d'accord? Toi et moi, pas seulement moi. Je tiens à ce que ça se passe bien pour nous deux. J'espère seulement ne pas me planter. Jusque-là, papa, tu t'en sors bien. Je suis papa maintenant. Et c'est quoi ce petit sourire? Sarah Bellows. Je te demande pardon? Elle partage son dessert avec moi et la semaine dernière, en cours d'histoire, elle m'a passé un mot. Ben, faut qu'on parle. Pas tes mains trop bas. Ouais, c'est bien. Ouais. Génial. Tiens, prends ça. Oh. Bien. Ouais. C'est meilleur que moi. Messieurs, dames, vous avez fait le bon choix. J'avoue que c'est l'un de mes préférés. Rosaline va faire le nécessaire pour vous l'envoyer vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu n'as pas répondu à ma question. Georgia, tes pieds. Mais qu'est-ce que t'as à perdre? J'ai à perdre ma dignité. On va aller manger d'ici quelques minutes. Ne change pas de sujet. On ne te demande pas de faire le tour du parc toute nue. C'est seulement un rencard, non? Avec un inconnu. Ça ajoute au mystère. Tu vas pas rester seule éternellement. La vie continue. T'es encore jeune, tu sais. Si la première rencontre se passe bien, tu le vois une deuxième, puis une troisième fois. Et après, tu peux t'envoyer en l'air. Il devient quoi, ce Will qui bosse à l'aéroport? Il n'a jamais travaillé à l'aéroport. Il est météorologiste et il est pris. Il a quelqu'un dans sa vie. Dommage. Alors, il s'appelle comment cet inconnu? Il s'appelle Charlie. Charlie, qui t'a mise sur ce coup-là? Rosalind. Vous serez dans un endroit public? On se retrouve au stade. Que c'est romantique. C'est moi qui ai eu l'idée. Les Avs contre les Tex. C'est quoi, du baseball? Du hockey.
Oh, c'est pareil. Si t'es pas rentrée à la maison à 11h, j'avertis les flics. Oh, t'auras pas à le faire. Tu y seras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un double rencard. Ce Charlie va venir avec un copain, et moi, je viens avec toi. Mesdames et messieurs, le match commence dans 10 minutes. Merci. Veuillez prendre place. Et voilà. J'ai du mal à croire que tu m'as entraîné là-dedans. Mais je t'ai pas entraîné là-dedans. C'est le billet gratuit qui t'a convaincu de venir. J'ai un peu plus de 34 ans et je me retrouve là à non pas un rendez-vous organisé, mais un double rendez-vous organisé. C'est pas la foire aux bestiaux, c'est la foire aux nazes. Tu peux arrêter 5 minutes. Ta copine m'a dit c'est fini. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et puis qui sait, cette fois peut-être que la chance te sourira. Eh non, comment tu vas faire pour savoir que ce sont elles? Elle est censée porter une écharpe de couleur bordeaux, c'est ce qui était convenu. Charlie. Oui? Cette couleur, tu vois, c'est celle de l'une des deux équipes de ce soir. Tout le monde a du bordeaux. Écharpe, casquette. Jane? Will? Will? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour... Pour le match de hockey, bien sûr. Moi aussi. Will, voici ma sœur Georgia. Georgia, voici Will. Will! Enfin, je vous rencontre. Jane. Oh, désolé, vieux. Voici mon ami Charlie. Enchantée de vous connaître. Alors, comment va Ben? Très bien. Charlie? Il songe à son avenir, il a décidé de s'inscrire en fac dès maintenant. Jane. C'est Charlie. Charlie. Belle écharpe. Ouais, très jolie. Merci. Bonne journée, au revoir. Là, je crois qu'ils sont bien partis pour perdre. Vous voulez qu'on aille s'asseoir? C'est ridicule de jouer à ce jeu-là. Mais pas du tout, le hockey mais est non, un pas jeu. Ça, je parle de nous quatre. Vous et moi, Jane et machin chose, là, ça n'a aucun sens. Reconnaissez que c'est stupide. On se doit d'honorer le rendez-vous pendant au moins 20 minutes. C'est vrai, ça fait partie de leur règlement. Regardez dans la brochure. Vous ne me mettez pas dans la catégorie des amateurs d'antiquités. Catégorie, c'est-à-dire? Disons, les gens âgés. Ce sont les antiquités qui sont vieilles, pas les gens qui les vendent. On devrait aller derrière le stand des bibelots tripotés pour rentabiliser le rencard. Quoi? Quel stand? Là où il y a tous ces drapeaux et ces casquettes. Ça, c'est la mémoire du hockey. On n'y vend pas des foulards ni des globes avec de la neige à l'intérieur. On va pas chicaner, c'est pareil, non? On vous a probablement dit ça des tonnes de fois, mais pendant que vous êtes là, qui dirige l'enfer? Bien envoyé, vous avez de l'humour. Vous pouvez courtiser ma sœur, si vous êtes d'accord pour arrêter cette mascarade. Je ne sais pas pourquoi Charlie a accepté de venir, il déteste le hockey. L'ex de Jane aussi. Sans lui, elle est bien plus heureuse, elle a d'autres centres d'intérêt. Comme quoi? Comme sa boutique, Claire. Des rencontres à l'aéroport. Oh la vache! T'as vu ça? Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Moi et elle, ça marchera pas. Mais qu'est-ce qu'il attend? Ce machin dans ta poche, ça s'appelle un sifflet, alors utilise-le, mon Dieu! C'est dingue, il l'a fait trébucher. Vous n'avez pas bien regardé, il n'a rien fait le 10. Moi, je les expulserai tous les deux. Expulsez les deux! Hé, hey, Jack, j'ai une idée. Toi et moi, on va aller s'asseoir pendant que Harry et Sally essaient de trouver un terrain d'entente. Ah, mais je voudrais... Ça me dirait qu'on se décote derrière les stands. Ouais. Amateur. Désolé, je n'aurais peut-être... Non, je connais Georgia. Elle est très particulière, on va dire. Vous croyez que... Ah, vous d'abord. Le fait de se retrouver ici, par hasard, ce soir... Vous croyez que c'est un message qu'on nous envoie? Peut-être. À moins que là-haut, il ne se soit pris d'une affection malsaine pour l'ironie. Je n'ai jamais entendu une femme parler de sport comme vous l'avez fait. Pourquoi? Elles ne sont pas censées le faire? Pas vraiment. Enfin, je veux dire... Si. On n'était que deux filles à la maison, alors quand mon père avait envie de jouer les athlètes, comme il n'avait pas de fils, c'est moi qui lui tenais compagnie. J'ai donc fait du catch, du basket aussi de temps en temps, mais le hockey était ce qu'il préférait. Et le gardien de but, devinez qui c'était. Mon père m'avait appris cette citation sur le hockey que j'adore. Les deux plus beaux spectacles qui puissent exister, ce sont Songe d'une nuit d'été et... Et mets le palais droit dans le filet. J'ai été très surprise de vous retrouver ici. Moi aussi. Je veux parler du rendez-vous organisé. Vous n'êtes plus avec... Oh, Maddy. C'est ça. Non. Non, ça n'a pas tenu longtemps. Ah, qu'est-ce qui n'allait pas?
Rien, en fait. Rien n'allait mal, mais... Mais rien n'allait bien. Jay, et si vous voulez, on... Oui, oui, ça me ferait vraiment très très plaisir. Attendez, je vais vous débarrasser. Attendez, vous pensiez que... Ah, bien sûr. Attendez. Je recommence, d'accord? Si ma mémoire ne me fait pas défaut, on n'a toujours pas eu cette fameuse première soirée. Vous diriez quoi de ce soir? Génial. Ils ont marqué. Quand j'étais petit dans notre équipe, il y avait un gars qui s'appelait Zeus. Non, c'est pas vrai d'appeler son fils Zeus. Quel handicap pour le gamin, c'est atroce. Imaginez des parents qui appellent leur fille Gandhi. Non. Hey, les enfants. Il y a à peu près 125 taxis qui n'attendent que moi, alors j'aurais voulu savoir combien de temps vous comptez rester ici. J'en sais rien. Moi, je suis pas fatigué. Et toi, t'es fatigué? Non, pas vraiment. Je vois, moi je le suis, merci d'avoir demandé. C'est un jour de semaine et certains d'entre nous doivent aller... Danser! J'adore danser sur ce genre de musique. C'est vrai? Oh, si tu savais à quel point j'aime ça. Tu viens danser, Charlie? J'aime pas danser et je voudrais... Très subtil, la frangine. Oui, très. D'ici quelques petites années, Ben invitera sa première copine à danser. Ben? Mon Ben? Ta fille aussi ira danser. Il n'est pas question que je la laisse sortir. C'est plus facile d'élever un garçon qu'une fille. Tu crois? Ouais. Ah oui, regarde, avec un garçon, tu n'as à t'inquiéter que d'un seul pénis. Avec une fille, ce sont les pénis du monde entier qui t'inquiètent. Allez, danse! Allez! C'est Tanya Lodkins. Excuse-moi. La première fille que j'ai invitée à danser. Ah. Et toi? Zach Mido. J'espère que tu étais sympa avec lui. Tu n'as pas idée à quel point c'est douloureux de trouver en soi le courage d'inviter une fille à danser. Je l'ai invitée. Tu étais où quand j'étais adolescent? Ils sont mignons. Je ne gênerais pas de vieillir dans ces conditions. C'est-à-dire? Si j'ai quelqu'un avec qui danser. Oh, c'est le 126e taxi. Oui. Il se fait tard, je crois qu'on devrait songer. Oui. Tu vas de quel côté? Est. Et toi? Ouest. Georgia refuse qu'un membre de notre famille paye $12 pour garer la voiture, alors chacune de nous a pris un taxi. Moi, je vais raccompagner Charlie, il n'a pas de voiture. D'accord. J'ai... Moi aussi. Ginger et Fred, mon compteur, il tourne. Je te téléphone. Oui. Interdit de fraterniser avec l'ennemi, les gars. Fais gaffe, Charlie, on n'est pas sûr de te garder. On verra tout à l'heure ce qu'on fait de lui. Pour l'instant, on joue, allez, du nerf. Sacré match hier soir, hein? Ouais, excellent match. Allez! Georgia s'est retrouvée aux toilettes avec Maud Arthur. C'est pas vrai? Si. J'ignorais que Maud appréciait le hockey. T'as l'intention de sortir avec elle? Bah, faites un effort. Je la trouve un peu trop vieille. Je parle de Jane. Ouais.
Jane, t'as dit que tu l'appellerais. La balle est dans ton camp. Ouais, je sais. Le problème, c'est que la balle n'est pas aussi facile à lancer qu'avant. Tu te souviens, une époque, on rencontrait une fille dans un bar? Ou dans un aéroport. On l'emballait, on faisait l'amour, c'était pas terrible, mais on disait le contraire, et on répétait l'opération à volonté. C'est comme les desserts chez Pouchard, c'était à volonté. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi facile qu'avant. Super, vas-y, vous êtes bon. On continue. C'est reparti, allez. Concentration, s'il vous plaît. Dis-moi, Teddy, t'es marié? À ce qui paraît, oui. Et ça marche bien? Oh, c'est pas comme ça que vous allez gagner. Aussi bien que ma montre. C'est quoi ta recette? Comment tu fais pour que ça tienne? Si tu veux vraiment que ça tienne, il n'y a qu'une chose à faire. Une seule, mettre de la bonne colle. Si jamais ça se décolle? Eh ben, si les morceaux ne vont pas ensemble, c'est tout. Allez, mon gars, lance-la bien. C'est bien parti. Génial. C'est pas vrai. C'est pas aussi différent maintenant que tu peux le croire. C'est la même question qui nous taraude tous qu'on ait 10 ou 30 ans. Tu crois que tu lui fais de l'effet? À 10 ans, la question que je me posais, c'était de savoir si elles avaient des poux sur la tête. Attention, Will! On se bat. Un chimpanzé jouerait mieux que lui. Allez, Will, réponds à ma question. Il ne faut jamais me demander ce genre de choses. En amour, je suis une véritable catastrophe. Toutes les relations amoureuses que j'ai eues ont été un vrai désastre. Offrez-nous du spectacle, bon Dieu, c'est mort! Je ne vais pas une nouvelle fois amener une femme dans la vie de mon fils pour rompre un peu plus tard. D'abord, ça a été sa maman. Après, je lui ai présenté Maddy, encore un échec. Alors, je n'ai aucune envie de lui faire subir ça une troisième fois. À moins d'être sûr que ça va marcher. Je vais te dire ce que j'en pense. Regarde les copains, Ted est marié, heureux de l'être. Charlie est célibataire et heureux de l'être. L'important, c'est qu'il soit bien comme ça. Qu'est-ce qui va te rendre heureux, toi, personnellement? Réponds à cette question et tu sauras quoi faire. Avec qui? Richard, est-ce que maintenant on pourrait parler d'autre chose? Je croyais qu'on devait planifier l'anniversaire de mariage des parents. J'ai jamais rien entendu de plus ridicule. Ne tire pas des conclusions trop hâtives. Maman, tu sais bien que c'est pas mon genre. Je m'en tiens seulement aux faits. Jane, c'est totalement stupide. D'accord, j'ai bien entendu. À nous, maman. Mm-hmm. J'ai fixé une limite au nombre d'invités parce que chaque fois que je pense avoir arrêté la liste, je vois des tas de... Oh, des petits noms ajoutés dans la marge. Je reconnais. Un peu d'indulgence avec moi, s'il te plaît. Alors tu t'es remise avec Richard? Si tu continues, je t'enferme dans ta chambre. Quoi? Je ne fais que lui poser une question. Richard vient s'installer à Denver. Voilà, maintenant vous savez. Tout le monde étant au courant, est-ce qu'on pourrait reprendre ce qu'on faisait? Mais c'est vraiment ce que tu veux? Il ne s'agit pas seulement de moi, Georgia, je veux ce qui est le mieux pour Claire. Mais tu rigoles, c'est vrai. Tu t'es construit une nouvelle vie bien à toi, tu as ouvert ta boutique, tu t'es même mise à aimer le jogging. Pour la première fois depuis longtemps, tu es heureuse et bien dans ta peau. C'est ça qui est important pour Claire. Et qu'est-ce que tu fais de Will? Will? Il n'a jamais rappelé.
La première fois, c'est toi qui lui as posé un lapin. Vous êtes à égalité. Téléphone-lui. On me tient dans l'ignorance volontairement. Désolée, maman. Will et moi, on est sortis. Non, disons qu'on s'est vus plusieurs fois. On s'est rencontrés à l'aéroport. Ah, oui. Grâce à nos enfants. Et Jane est amoureuse de lui. Ça suffit, Georgia, arrête. Ce que je voudrais, c'est que ma fille ait son père là, tout près d'elle, et non dans une ville qui est à des centaines de kilomètres. Et si moi j'ai changé, peut-être que lui aussi a changé. Ce n'est pas un si mauvais mari que ça. Tu trouves que si? Non, non, chérie, il est gentil. Richard et toi, vous vous disputiez avant qu'il aille travailler à Chicago. Le fait qu'il revienne ne va pas forcément tout arranger. Au moins, il fait un effort. Il a demandé à venir travailler ici pour être près de Claire. Il l'aime vraiment. J'ai jamais dit le contraire. Et tu fais quoi de Will? Tu peux me dire pourquoi tu t'acharnes tellement à le défendre? Parce qu'il te fait sourire. C'est la seule raison? Et pour moi, c'est l'une des clés du bonheur. Oh, Georgia, pourquoi tu me rends les choses aussi difficiles? Parce que tu me laisses faire. Tu n'es pas obligée de t'habiller. Will. Non, je t'assure, tu es magnifique comme ça. Je sais, j'aurais dû te téléphoner. Et effectivement, j'aurais bien aimé que tu le fasses. Si tu veux bien m'accorder quelques secondes, je vais t'expliquer. J'ai passé avec toi une soirée vraiment très bien. Elle était parfaite, c'est vrai. Les gens disent toujours que c'est ça le plus difficile et le plus compliqué, trouver la bonne personne. Je crois que les gens mentent. Parce que c'est ce qui vient après qui est le plus compliqué. Un rendez-vous, pour moi, c'est une aventure qui m'effraie toujours un peu. En général, ça se passe très bien au début. Mais quelques temps après, c'est la rupture. Écoute, oui, avec ma femme, ça s'est mal terminé. Et ça a été très dur. Et alors, j'avais peur de subir à nouveau un échec. C'est la raison de mon silence. Mais maintenant, je crois que je suis prêt. Alors, me voilà. Légèrement honteux, mais décidé à te demander officiellement un rendez-vous. En personne. Habillé comme un pouilleux. Ben dort chez un copain. Le match commence dans une heure, alors ça te laisse le temps de me faire des reproches. Jane, tu es prête? Oh. Excusez-moi, je vous ai interrompu. J'arrive dans une minute. C'est... Richard. Oh, je sais ce que tu dois te dire, mais en fait, il est seulement venu me chercher pour aller écouter un orchestre symphonique. Et vous? J'en sais rien. Il vient de... J'aurais dû téléphoner. Je suis désolée. On n'a pas réussi une seule fois. Oh, Seigneur, pourquoi tout arrive en même temps? Ça fait rien. C'est pas grave. Tiens. Tu devrais leur donner à boire. Ça va être l'heure. Tu t'habilles? Charlie, match de hockey pour toi et moi, ça commence dans un instant. Oh, William, t'aurais dû téléphoner. Vous vous êtes passé le mot? C'est pour qui ces cartes-là? J'ai tout ce qu'il faut, les gars. Chips, bière et limonade pour l'homme marié. Ah, oh, génial. Et j'ai besoin de sucre, je suis hypoglycémique. Georgia. Ça, c'est ma chaise. Tu as dit que tu sortais ce soir, alors j'invitais Georgia à jouer. Tu devrais pas être en train de faire la cour à ma frangine. Je suis arrivé trop tard. Elle n'était pas à la maison? Si, ainsi que Richard. Il était là? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu lui as parlé? Assez pour que je m'en aille. On pourrait m'expliquer? Richard, c'est l'ex de Jane. Qu'est-ce que son ex fait chez elle? C'est pas normal, ça. Quoi? Laisse béton. Richard revient vivre ici pour être près d'elle. Quoi? Il croit pouvoir la reconquérir. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense... Je leur souhaite bonne chance, qu'ils vivent très heureux ensemble pour le restant de leur jour. Je devais avoir l'air d'un crétin. Si j'avais su ça avant, j'aurais... Quoi? Tu aurais fait quoi?
Tu serais battu ou enfui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bats-toi. C'est vrai? Il faut foncer dans la vie, Will. Ouais. Vous savez quoi? Je crois que je vais me concentrer sur mon travail. Je dois mettre toutes les chances de mon côté si je veux présenter les infos le week-end. C'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, les mecs? C'est exactement pour cette raison que Jane a rompu avec Richard la première fois. Ose me dire que t'es pas amoureux. Hé, hey, Jane a la même attitude. Qu'est-ce que je fais, alors? Tu as le choix entre deux choses. Soit tu rentres chez toi et tu te concentres sur ton boulot, soit tu trouves un truc qui convaincra Jane que sa vie est auprès de toi. Ouais, dis-lui exactement ce que tu ressens. À moins que tu préfères avoir des regrets. Sors-lui le grand jeu, du romantisme. Tout va bien? C'est parfait. Claire voudrait un piercing sur la langue. J'ai pensé que ce serait bien de lui offrir ça demain. Oui. Jane? Pardon, quoi? Oh, excuse-moi, je suis désolée. Comment ça se passe? Ton retour, je veux dire. Eh bien, c'est un peu difficile de se réacclimater. À moi et à Claire? Non. À mon nouveau poste. Mais... ce n'est pas la raison qui m'a poussé à revenir ici, n'est-ce pas? Richard Graham. Oh, Howard, quelle surprise. Je vous présente Jane. Bonsoir. Enchanté, madame. Et Richard, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. J'avais envie de revenir. Je peux comprendre. Je ne pensais pas que vous accepteriez notre offre. Vous avez refusé la première tellement rapidement. Vraiment? Oh oui. C'était quand, cette première offre? Votre femme est ici, ou... Je pense que ce devait être en février dernier. On avait mis le paquet. On le voulait, mais impossible de le faire bouger de Chicago. Il ne m'offrait qu'une petite augmentation de 10% sans changement de catégorie. Je n'aurais pas eu d'avancement. Tu disais que tu le faisais dans un seul but, de te rapprocher de nous. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que je suis tombée dans le panneau. Jane. Non, 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 tu n'as pas changé. Tu ne l'as fait que pour l'argent. On n'était qu'un prétexte. Jane. Non, je m'en vais. Jane. Jane. Vous avez de nouveaux messages. C'est Georgia. Je sais pas comment m'habiller pour l'anniversaire de mariage. Appelle-moi. Jane? Bonjour, c'est Will. Will Chaney. Je t'appelle parce que... je sais que ça peut paraître bizarre, mais... j'aimerais que tu regardes les infos demain à 18h15. Enfin, si tu es là. C'est samedi, alors tu vas probablement... bon, enfin bref, j'aimerais... j'aimerais beaucoup que tu allumes ta télé à ce moment-là et que tu regardes. Merci. Tu es sûr de vouloir le faire? Non. Si. Non. Je vais chercher une chaise, je peux pas rater ça. Hé, hey Will, il faut que tu nous sortes le grand jeu ce soir. Pourquoi tu me dis ça? Alice ne t'a rien dit? À quel sujet? Il y a un grand pont de la chaîne qui est ici. Tu peux peut-être te positionner pour la présentation du journal du week-end. Tu veux dire qu'il est ici? Ici? Tout à fait. Non, on ne peut pas se permettre ça. Oh. Oh, Seigneur. C'est un plaisir de pouvoir enfin faire votre connaissance. J'ai vu des vidéos de vous quand vous présentiez le journal. C'était vraiment bien. Oh, merci beaucoup. Et de plus, ça c'est entre nous. Je suis vraiment ravi de voir enfin quelqu'un faire preuve d'un grand professionnalisme pour présenter la météo. Oui, j'ai toujours cherché à faire... Seconde. Continuez à bien travailler. Appelez ma secrétaire, on va se revoir. Allô? Oui. C'est joli. Alors les filles, comment ça va? Je crois pouvoir dire que rien n'a changé depuis la dernière fois que tu l'as demandé. Tout va être formidable, maman. Oh ma chérie, quand je serai plus grande, j'aimerais être aussi calme que toi. J'ai vérifié toutes les tables. Oh, Trésor, s'il te plaît, finis ça, qu'on les mette en place. Oh mon Dieu, ça doit être les ballons. Je peux aller ouvrir? Je t'aime très fort, tu le sais. Oui, je sais. Claire a raison, tout va très bien se passer. Oui. Et toi, ça va bien aujourd'hui? Difficile à dire. À la suite de la soirée d'hier avec Richard, je pensais me sentir un peu différente.
Bon, et alors, comment tu te sens? Soulagée, en fait. Et j'en ressens de la culpabilité. C'est dingue, non? C'est drôle, il y a toutes sortes d'émotions qui se bousculent en moi depuis. Oui, ça peut se comprendre. Pourquoi tu regardes l'heure toutes les deux minutes? On est dans les temps, ça ira? Oui, je sais. En fait, c'est parce que Will m'a laissé un message hier soir. Il voudrait que je regarde la télévision à 18h15. Et il t'a dit pourquoi? Je vais voir où en est maman. Jane! Ça va, t'es prêt? J'ai l'impression d'avoir la maladie de Parkinson. T'aurais pas un cachet pour ça? Du calme, tu restes là et tu fais ton truc. Oui, mais mon truc c'est quoi, Charlie? C'est ça le problème. Si je savais exactement ce que c'est, je pourrais... Oui. Ouais. Il y a une chose que tu dois savoir là, maintenant. C'est quoi? On est à l'antenne dans 5... Oh, maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ravissante. Papa, t'as vu? Est-ce qu'il est fier? Il sort tout juste d'ici, il est allé réécrire le discours qu'il va faire. Si tu le voyais, pour de vieux parents, on a encore de la tenue. Oh, merci. Dis-moi, maman, papa n'est pas parfait, tu es d'accord? Ça, c'est loin qu'on puisse dire. Pourtant, vous êtes toujours ensemble. J'ai grandi avec mes deux parents. Toi et papa. C'est l'idéal, non? C'est à toi de me le dire. C'était souvent le cas. Je voudrais que Claire ait la même chose. Oh, Jane. Claire est une enfant équilibrée et heureuse. Il n'y a pas de mal à vouloir donner à ta fille ce que tu as eu, mais il n'y a pas de mal non plus à vouloir toi-même être heureuse. Chacun de nous vise l'idéal et tu as cru l'avoir trouvé à un moment. Mais tout le monde fait des erreurs. Il ne faut pas que cet échec t'empêche d'essayer à nouveau. Et que devient ce jeune garçon, ce... Oui. Je sais rien, je crois que j'ai raté le coche avec lui. Entre papa et toi, tout avait l'air facile. Oh, 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 oh. Ce qui est digne d'intérêt n'est jamais facile. À l'école primaire, tu avais une institutrice, Madame Grandy. Oui, et alors? Un jour, elle m'a demandé de venir la voir parce qu'elle voulait me parler de ta façon d'aborder le dessin. Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais? Tu coloriais en dehors des lignes. Elle voulait que je te remette dans le rang. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien que je n'avais aucune envie que tu changes, car je trouvais bien que tu mettes au point tes propres règles et que tu prennes des risques. Ce que tu faisais à l'école, tu peux le refaire aujourd'hui. L'amour ne s'enferme pas dans des contours tracés à l'avance. Jane, il est 18h15. Oh, maman, si ça ne te fait rien, j'aimerais bien regarder la météo. Pour le prochain championnat. Et maintenant, les prévisions météo pour le week-end, avec Will Chanet. À vous. Merci, Sam. Chers téléspectateurs, il semblerait que le ciel clair que je vous ai annoncé en début de semaine se soit chargé de nuages. Mais malheureusement, le temps est ainsi. Imprévisible. À un moment donné, il peut paraître doux et ensoleillé, mais attention, si vous attendez un peu trop, les prévisions peuvent changer. Et le rendez-vous que vous aviez organisé en croyant que le temps serait beau cet après-midi-là est annulé à cause d'une tempête soudaine, ou carrément transformé en catastrophe à cause de la mousson en provenance directe de Chicago. Alors, on fait appel à un expert qui dira quand on pourra à nouveau sortir sans qu'il y ait danger. Il nous arrive un peu trop souvent d'avoir peur d'écouter notre instinct. Et de simplement regarder par la fenêtre et de prendre nous-mêmes une décision. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de fortes tempêtes dans le passé qu'il faut trembler à l'idée de s'exposer une nouvelle fois aux conditions climatiques. Qu'il faut trembler à l'idée de se débarrasser des couches de protection que l'on porte depuis beaucoup trop longtemps. Ce qui me ramène à mes prévisions météorologiques. Non, je ne peux pas promettre que le temps sera toujours au beau fixe. Personne ne le peut. Wow. Par contre, je peux promettre de mettre toutes les chances de notre côté pour que le bonheur soit présent, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas... Bien fait, ce garçon. Enfin, maman. Être influencé par les prévisions. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le temps qui fait. Mais la personne qui vous accompagne dehors. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. C'était Will Chanet. On se retrouvera à la plage. Ouais.
bien. Nous allons retrouver Timmy pour les sports. J'espère que lui a gardé son pantalon. Et voilà. Je crois que tout y est. Prêt à partir? Oui. J'ai bien apprécié ton séjour avec moi. Tu vas me manquer, bonhomme. Toi aussi, papa, tu vas me manquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on devient drôlement bons tous les deux pour les revoir. Papa, ça m'aurait pas dérangé si on avait été en retard et si j'avais raté l'avion. Pourquoi? Je serais restée encore une journée avec toi. Bon. J'essaierai d'avoir un pneu crevé la prochaine fois que tu viendras. D'accord? D'accord. Embarquement immédiat pour le vol 293 à destination de Los Angeles, porte D43. Tiens, prends. On se voit à Noël, fiston. Je vais bosser mes tirs en extension. Ouais, ne les travaille pas trop, j'ai mon ego qui ne supporterait pas de perdre face à toi. Je vais les bosser encore plus. À la prochaine. Bon voyage. La déposer, je parie. C'est le regard, c'est chaud de se voir au regard. Jen, qu'est-ce que tu fais? Oh non, accorde. Accorde-moi une seconde, d'accord? Je suis pas très douée pour ça, mais en fait, aucun de nous deux l'est, mais on persiste et je pense que c'est un signe. Après ce que j'ai vu à la télévision, j'ai décidé de venir. J'ai plaqué mes parents et leur anniversaire de mariage, que d'ailleurs, j'ai organisé avec l'aide de ma sœur, mais j'ai affronté la circulation au pire moment de la journée et un groupe de Suédois très en colère parce qu'ils doivent attendre 14 heures leur avion. Je fais tout ça parce que je pense que tu es quelqu'un avec qui je peux danser. Alors? Que devient Richard? Il m'a toujours beaucoup tapé sur les nerfs. Un jour, on dira à nos enfants qu'on s'est rencontrés dans un aéroport. Nos enfants sont déjà au courant, Will. À propos, très joli le sprint. J'ai eu un bon professeur. Il faut que tu saches que je n'embrasse jamais lors du premier rendez-vous. Comment ça, le premier rendez-vous? Ça fait des années qu'on se connaît.